Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à vérifier des équations et des systèmes d'équations pour s'entraîner au programme de troisième en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, vérifie que le nombre moins 5 est solution de l'équation 3x plus 7 est égal à moins 8. Donc on va tout de suite le vérifier, on va remplacer x à chaque fois par moins 5, et on va voir si notre résultat est bien égal à moins 8. Ce qui nous donne 3 fois moins 5 plus 7. 3 fois moins 5, ça fait moins 15, toujours plus 7. Moins 15 plus 7, on a bien moins 8. Donc moins 8 est égal à moins 8. On peut dire que le nombre moins 5 est solution de cette équation. Ensuite, petit b, on nous demande, vérifie que le couple 3 moins 2 est solution des équations et du système suivant. Alors premièrement, on a 3x plus 5y est égal à moins 1. Donc dans notre couple, à chaque fois, le nombre de gauche, il correspond à x, et le nombre de droite, il correspond à y. Donc à chaque fois, on va remplacer x et y par ces valeurs. Ce qui nous donne 3 fois 3, plus 5 fois moins 2. Et normalement, ça devrait être égal à moins 1 si le couple est solution de l'équation. Donc on va vérifier 3 fois 3, ça fait 9. 5 fois moins 2 ça fait moins 10. 9 moins 10, ça fait effectivement moins 1. Donc on peut dire que le couple 3 moins 2 est solution de la première équation. Ensuite, on a 7x plus 7y, c'est égal à 9. Donc on remplace, ce qui nous donne 7 fois 3, plus 6 fois moins 2. 7 fois 3, ça fait 21. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. 21 moins 12, ça fait 9. Donc encore une fois, le couple est solution de l'équation. Et enfin, on a un système d'équations, c'est-à-dire on a deux équations que l'on doit considérer en même temps, et on va voir effectivement si les résultats correspondent à ce qui nous est demandé. Donc premièrement, on a moins x plus 2y, ce qui nous donne encore une fois moins 3 plus 2 fois moins 2, et normalement ça devrait être égal à moins 7. Moins 3, on le conserve. 2 fois moins 2, c'est égal à moins 4. Moins 3 moins 4, c'est égal à moins 7. Donc la première partie de notre système d'équation est vérifiée. On va maintenant vérifier la deuxième partie, qui est 2x moins 5y. Normalement, ce devrait être égal à 16. Ce qui donne 2 fois 3 moins 5 fois moins 2. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 5 fois moins 2, ça fait simplement plus 10, 6 plus 10 c'est égal à 16. Donc c'est également vérifié. Les deux parties du système sont vérifiées, donc on peut dire que le couple 3 moins 2 est solution du système. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.